qu'on frappait Anel en pile. Mais base Pilate, c'était un groupe de policiers qui vivaient dans la zone. C'est dans la zone où ils habitaient. Par contre, ils ont une structure qui était formelle. Même Jean-Jodio qui a dit, caravane, par exemple, Kafou, il y a un groupe policier qui dit que le pape d'accord, si vous voulez, il y a un problème dans la commune. Et il est clair, malgré que les gens qui ont un désaccord avec caravane, caravane, Kafou, a aidé effectivement tout bon vrai nettoyer Kafou. Parce que sinon, nous avons perdu la commune Kafou. Il faut une clé sous ça, hein? Et mais c'est comme ça, Basse Pilate l'a dit. Mais heureusement, normalement, mesdames, messieurs, chef ISO, donc moi, le chef, puisque tout le monde acceptait que monsieur son chef, ISO Village de Dieu, te plaide, et la moué, il dit que il va reconnaître 16 soldats, ça va mourir. Mais en pile des fois que nous avons toujours dit nous ça, il n'est pas trop facile ou assez souvent pour nous faire confiance à chaque grain de parole que ça a la guerre, puisque en quelque sorte, parfois, il y a de différence, ok? Il y a de différence dans l'action qu'il a posée. Mesdames, messieurs, après, voyez ça, des films viral, plusieurs monde dans la société, t'es déjà réfléchi pour dire qui ça a passé avec ISO. Donc, en pile de fois, il y a dit, mais qui ça a souhaité, mais ça a voulu qu'avancer. ISO a été déployé, il s'est monté 7 fois, 77 fois, quand on a suivi ça. Donc, monsieur expliquait que le pari connaît yon nan moun sa yo. Et en général, moun sa yo, c'est des moun qui, en quelque sorte, qui a fait matraquage dans ça qui a ouais ak information qui te passé. Mais, enquête yon pa jam suspend, nous t'al chercher connaît qui raison que la cause. On pa ket bagay cause ap mené, qui sa ta permet que nèg yo pralon non mission, qui sa mission yé, qui type de bagay kap rigle. C'est là, nous pral tomber sur information que. Nous allons rappeler que dans la cité soleil là, il y a un pile gros combat et surtout il y a un gros duel entre les hommes de G9 et les hommes de G-Pep, à savoir les hommes de T-Gabriel et notamment les hommes de Barbecue. Donc, mesdames, messieurs, nous connaissons un gros ennemi. Monsieur Village de Dieu et Grand Ravine, c'est des ennemis potentiels pour petit monsieur G9, puisque nous connaissons. Association ça a été noté, il a été sans, il a même été grand pile gros bagaille. Donc, ISO, monsieur parlé, monsieur déployé, il a dit non, mais nous venons avec détail pour faire connaître qui ça a passé. Je vais mettre tout au fond de stand, je vais venir tout de suite après moi-même. On frappait Anel en pile. Mais Basse Pilate, c'était un groupe de policiers qui vivaient dans la zone. C'est dans la zone où ils avaient habité. Par contre, ils ont une structure qui était formelle. Même Jean-Jodio qui a dit, caravane par exemple, Kafou, il y a un groupe policier qui dit que le pape d'accord, si vous voulez, il y a un problème dans la commune. Et il est clair, malgré que les gens qui ont un désaccord avec caravane, caravane, Kafou, a aidé effectivement tout bon vrai nettoyer Kafou. Parce que sinon, nous avons perdu la commune Kafou. Il faut une clé sous ça, hein? Et mais c'est comme ça, Basse Pilate l'a dit. Mais le Rosemont, les gens viennent tuer Rosemont, lâcher Rosemont, époque ça, grand, parce que ça passe, pour base là exister, pour le Kembe, il faut gagner une source de revenus. Soit une source de revenus politique, des nègres dans la politique qui aident, mais, ou bien source de revenus dans le secteur économique, des nègres qui ont business dans la zone qui ont des moyens. Ou bien, nègres la fait ZAC, c'était le mot avant tout, il faut le faire ZAC. Zak la ve di, te gen nèg a décidé la pou nèg fè la oui. Li gen va fouye 4-5 nèg fè la oui pou li. Ou bien gen va gen 10-15 moto k'ap fè la oui pou li. Fè la oui, c'est prend cob la, fè bras la et puis vin monter pote l'argent bay chef gang la. Sou prend par exemple époque Tikenken. Tikenken, nous sommes en 2013-2014. OK? Époque ça, Tikenken te kon voue nèg al fè la oui. Si quelqu'un pas Jean Gonal fait la rue Grand Ravine, m'a parlé de mode opératoire Grand Ravine, nous sommes 2012, 2013, 2014. Kounya là, nèg te commencé ou fait mouvement la rue encore parce que ou ka ou makon bagay, pa gen braqué moun sot la banque encore. Pa gen comme si m'ta dou ou sot prend cob la banque pour nèg après les absous à part de soit prend zone en bas la ville que mouvement ça, mais que de l'autre côté tu toujours gen nèg k'ap fait la rue. Kounya pour nèg la alimenter tête li, il y a deux possibilités. Si il y a élection politique a permettre que d'alimenter tête li, candidat vinn baye l'argent vinn baye moyen ou wa.
Si pas une élection, la pouvons des nèg dans secteur qui bo la kaili cap fournir matériel, fournir zam, bal support parce que nèg la pour protéger business li, li obligé quand même gagner des moun pour ça. OK, on ka prend exemple vivant que nous tout té ouais. Ou songer et récemment le moun yo t'a essayé Alpi Auto Plaza. Eh bien, nèg Pelé Simon monté nèg yo vinn arroser moun yo. Mais ça nèg Pelé Simon te fait yo, la police te capable gete fèl. Mais comme nèg Pelé Simon yo connaît clairement que dans zone là depuis besoin bagaille y a venir dans Auto Plaza avec en facilité, yo pap kito vinn craser business et Auto Plaza. Même gens pas aucun monde qui ka vinn craser valer yo canes là en bas j'ai barbecue, même dans rêve pas ka faire ça. Ou pas capable. Pas gon mec qui a décidé de descendre en bas la saline à craser business moun la saline en face et ti junior la bal qui tout craser business te moun en bas. Par contre, vous comprenez non? Et on est on moun mette sur tap travail dans zone kay musée ou autre en bas. Ou pas gon ken moun kap ka vin lever nèg sa dans zone sa côté lié. Parce que nèg yo même les ont activité y a fait. Bien les ont besoin activité, yo connaît qui est pour reler. Moun sa yo fait négar meyo en pile fois plus confiance que la police nationale. Donc ça veut dire nèg la obligé dans situation côté qu'elle dit tête, il faut me protéger business moi, faut me protéger tête moi. On a les trois sources de revenus. Chef gang nan gen, soit le fait zak, soit politiquement pouvoir remplacer la à Ozel ou bien gérer, soit secteur politique qui autour de pas secteur, secteur économique qui dans environnement là a décidé supporter elle. Et ça fait ou remarquer des fois guider nèg l'elle pas gagner trop monde qui gagne à faire l'obliger à chercher beaucoup plus de territoire côté gain business. On va le bon exemple là pour une zone de village, village t'es toujours gagné par exemple EDH qu'elle t'es toujours abgrassé des fois ça village encore village presque pas de gagné encore c'est tiling en bas. Il a pris un camion. Base Tibois dit faut nous stopper les gars. Et ce genre pour nous stopper les gars, faut que nous occupions tout espace là. Qui fait les Tibois vont nous occuper toute Martissant jusqu'à Martissant 1. Les grands vins viennent pas une possibilité encore pour descendre pour prendre camion parce que les Tibois bloqué yo et base Pilate bloqué yo. Les gars est comme ça et puis y a cherché qui vient pour sortir. Et Néobel font volume kidnapping. Néobel fait deux grains kidnapping cap coûter yo ou bien cap permettre yo générer $700,000 US, $300,000 pour Titi Loto. Deuxième kidnapping c'est $400,000 nous songe ingénieur ou te prend dans zone publique. Mais ça yo $400,000 là pas venir dans menegue ou d'accord puisque yo gagne des antennes, yo gagne des liens pour faire dispatching. Qui vient fait que le gars gagne masse l'argent ça crive côté le connait dit moi le fait balle moi le fait mini moi le fait balle moi le fait zam et nèg yo achète en pile balle et achète en pile munition et puis depuis le nèg vient renforcer tête yo là base Pilate commencer gagne problème base Pilate crasé longtemps puisque bra jour non bonne policier qui était dans base ça zone là vient extrêmement difficile yo obligé quitter zone là. Du prend madame, prend petit abandonné zone là. D'où base Pilate la vie n'a pas existé. Et Ezekiel, qui te fait office de tête groupe ça, libéral, affaibli, lui-même tout le bras obligé à abandonner zone là. C'est vrai que il toujours gagné rentrer, mais il a abandonné zone là. Mais abandonner zone là, il choisit de préférence pas faire conflit avec yo. Parce qu'il toujours gagné communication ensemble avec yo. Et ça comme ça tout dit Ezekiel li gen rentré dans grand ravine, li gen rentré dans village. Mais c'est même G9. Son choix le fait parce que li pa gen en dedans. Base Pilate pas existe encore. Toute police qui était dans zone presque toute virée de aller auprès madame pour petit aller depuis après l'amour. Heureusement, nèg grand ravine déraché et dans en bas. Nèg yo vin faibli complètement. Base Pilate pa gen rien pour camper face avec village et grand ravine. Pas oublier village en l'aile et puis grand ravine face face avec, li pa gen rien, l'obligé abandonner. Et c'est pas pour grand ici ouais.
ni village ni grand ville a essayé réclamer un tout petit peu Ezekiel Bouyo. L'autre monsieur même qui connaît que monsieur son membre fondateur G9 a essayé tout récupérer. Il a dit seul moyen pour récupérer c'est prouver mon yo que nous même nous pas dans mouvement kidnapping en nèg, nous pas dans mouvement volé, n'a pas essayé faire ça n'a faire. Et bien il a déclenché un combat. Qui compte les gars gagner dans bataille là? Il était clair qu'on est que depuis on attaqué si Gabriel Izo ou bien si la pluie a voué renfort quand même. Ça n'est pas excessivement grave, puis n'a pas expliqué là. Et de fait, les gars voué renfort vrai. Ils voué renfort, ils voué renfort sous de l'eau. Baron qui j'en la police te fait gagner des informations à temps. Nous avons besoin de nous aller parce que nous sommes arrivés déjà. Nous avons fait un bail renfort. D'ailleurs, 400 maros ont essayé de voir deux trois nègres pour descendre, venir bailler Gabriel renfort. Et mais, chez méchant qui s'est allié G9, tout bloqué 400 maros. Je n'arrive pas à comprendre ça. Quelle coordination existe entre gangs et que dans l'État, ou pas qu'à joindre ni. Je ne vraiment pas comprendre ça. On pas qu'à comprendre ça. Guy, une belle coordination qu'a fait. On pas qu'à comprendre ça. Qu'une belle coordination. Tandis que la police n'a pas qu'à gagner. Parce que c'est un bon exemple. Non, l'on prend Granville, qui peut être gagné en 2 à 3 000 garçons. Même pour m'en préciser, pour nous, tout pas gagné, Zam, non? Au contraire, chaque fois que vous qui tombe, vous avez un nek capitaine Zam, non? Tout n'est pas gagné, Zam. Mais nek qui pas gagné, Zam, vous êtes d'accord, vous êtes plus dangereux. Et puis, à remarquer, vous avez un nek qui pas connu du tout. Nek qui pas connu, c'est le plus dangereux tout. Parce que, vous avez une facilité, vous avez une mobilité, vous avez roulé. Contrairement, vous avez cherché chef gang. Et puis, plusieurs autres qui n'ont gagné, y a pour rouler. À titre d'exemple, regarde ça qui passe la lua. Dans ça qui passe dans route la lua. Monsieur ça ou elle le prend qui mourit en de machine. C'est les cap rouler dans Pétionville là. Nous avons gagné qui toujours dans la rise là. Gagné qui toujours dans Bakiad. La fontaine chez qui tout le monde. Y a les gars à l'aise à terre ou pas qu'on est là. Qu'est-ce que fait? Nous toujours demander la police là. Une bonne façon pour capable river démanteler gang nan c'est en dans pénitencier sous ka volon 20 nèg ou 10 nèg dans pénitencier k'ap fou nou information mon cher ou ap content et ou ap joine résultat et bien effectivement nèg yo démarré et G9 démarré en bataille avec GPEP nan niveau et Cité Soleil. De vous parler de Cité Soleil, là on va parler de Belekou, base Iska. Iska a démarré en combat avec support G9 pour attaquer Gabriel. L'objectif c'était quoi? C'est que automatiquement on va gouman ça, on va venir on traite nèg quand même cap sorti dans 3e circonscription pour aller bailler renfort. Et puis chose dite chose faite et ça n'est que fait nèg aller bailler renfort. Mais il y a un renfort. Parce que jusqu'à présent, on a parlé à... Ce sont les analyses, mesdames, messieurs, faites autour de ce sujet. Et c'est de la part de monsieur ou le journaliste Guéry Henry. Que tout d'abord, je prends le soin pour me saluer pour le grand travail que monsieur a essayé de faire dans le domaine ça a montré que différence que le gagne. Mesdames, messieurs, Guéry Henry, c'est une personnalité vraiment importante. Surtout en Haïti, dans la question enquête. Monsieur, vous êtes entré ou bien vous en main une bataille qui t'a mené. Et bataille, ça a été nécessité en pile gros mouvement. Et mouvement, vous mené en pile gros détail qui t'a fait, un paquet de bagailles qui t'a privé fait. Donc, vous une situation qui est douloureuse à bon côté quelques nègres. Donc, ils ont décidé, monsieur, fâché. Ok? Monsieur, fâché en pile, côté l'a expliqué. Mais qui ça cap passé, mais comment bagayoye, mais qui démarche qui supposé fait nan niveau ça. Donc
Moi, je voulais expliquer. Au fait, selon les détails que mal cherché, mesdames, messieurs, vous allez chercher à comprendre qui s'est passé là. Nous connaissons ces derniers temps une grosse bataille qui a déclenché, donc qui vient poser un gros problème de gaz dans la République. Tout vient un problème essence tout bon. Donc, gros problème essence ça qui est là dans la Cour Port-au-Prince. Ou même dans le cas qui est là dans le pays d'Haïti qui a fait du ravage. Problème essence ça, il vient nécessiter, mesdames, messieurs, de graves conséquences sur la population. Et bien, comment elle fait venir ces batailles qui y a entre G9 et G-Peuple. Pas oublier, mesdames, messieurs, dans la Cité Soleil, c'est un espace qui gagne Vareux. Donc, Vareux, c'est un plus gros terminal qui partage, c'est plus gros terminal là, qui partage gaz dans tout le pays d'Haïti. Donc, monsieur Sayo, tu voulais demander renfort à ISO. Donc, et tu l'appli, tu Gabriel, tu joins un renfort. Mais non, rappelez-vous, c'était plutôt une vingtaine de jeunes garçons qui étaient déplacés pour aller chercher le renfort, mesdames, messieurs. Donc, pour porter renfort, ben, monsieur. Voyez ça ou t'étendez à c'est oui, encore une fois oui. Donc c'est la vérité absolue. C'est des nègres qui au fait fait partie intégrante ou bien fait partie base 5 secondes là qui est déplacé, qui prend aller. Maintenant, pour qui ça a qui fait ISO rivé, mesdames, messieurs, montrer que monsieur ça va pas te connaître ni de près ni de loin. A qui intérêt pour qui ça, ça fait. C'est parce que en général, monsieur ça a eu pour ISO, les mêmes, ne dis-nous ça déjà. Il y a un plus gros défaut que le gars, ils sont risieux. Ok? Donc, la police a commencé à manier avec ça. Je garantis que le pape ne veut pas la police aller essayer de faire des marches. Donc, cette situation est horrible, une situation exorbitante, une situation qui probablement donc, a fait bien avec la police nationale d'Haïti. Plusieurs avec ça ont mouru et la police était déjà une antenne sur eux pour des informations. C'est ça que m'a dit nous que des fois il y a des gens qui fait choix pour entrer dans gang, c'est parce que au fait, yo pas connaît qui ça va le coûter, qui avantage à coûter li bail et qui avantage à long terme. Donc côté que les expliquer, il avait expliqué mais qui démarche, mais qui gros mouvement pour faire. Nèg qui dans base ça, mesdames, messieurs, c'est des nèg qui doit choisir pour en diable tête yo, faire de mouvement grave. Donc son situation qui horrible, son situation qui incompatible. Donc, monsieur Tal by aide avec petit Gabriel. Donc, Gabriel était déjà recevoir aide là. N'a pas rappelé que y a une coordination exceptionnelle entre les chefs de bande. Ou t'as dit, qui commence à faire possible pour 400 Marozo t'es déjà dit la pour une ici? Qui ça possible pour 400 Marozo t'es déjà dit la faire de graves mouvements ici? Donc, au fait, au fin de senti, la caille n'a eu une coordination, une entente terrible qui gagne entre monsieur. Côté que entre eux, ils ont dit qu'il y a des bagages qu'ils n'ont pas fait et qu'il y a des bagages qu'ils n'ont pas choisi perdu. C'est le même moment ça, la police nationale d'Haïti était vraiment bien informée et notamment, mesdames, messieurs, ils ont fini de gagner des informations, ils ont fini sur de très bonnes pistes d'informations et normalement, la police nationale d'Haïti vide monsieur Sawate, grave coup gravicide. Donc, ils ont son qui remet faire ruse, son qui remet à l'école. Donc, on a rappelé que il y a plusieurs dans soldats ça qui mourit, il y a Joël, il y a Jimmy, il y a Jean-Claude, un paquet de qui c'est de bons soldats en dans village de Dieu, mesdames, messieurs, qui finalement perdu la vie. Effectivement, la voix c'était la voix d'un ami ou bien de bandit, de chef de gang, donc qui au fait était mortellement qui était touché et après ça donc il d'après mourir tout. Donc normalement et monsieur Sayo vin bay ISO. Donc kounya kon l'autre bagage que m'vin comprendre. Il y a plusieurs soldats en base ISO qui tête yo monté côté yo, y a dit tête yo faut que faire de grands mouvements puisque yo pas d'accord Jean monsieur ISO dit pas de connait yo bien ironiser nèg yo. Donc nous dit nous ça, laissez-moi dire nous toujours comprendre que nous ka pi à l'aise, nous ka pi beaucoup plus royaliste que le roi. Hein, nous comprenons donc il y a des bagailles à chaque fois qu'on fait. D'ailleurs, là où il est, c'est placé dans le niveau et puis la voyer à tuer nous. Donc, next à yo, personne moun sur la terre. Donc, si c'est pas des unités spécialisées ou bien si c'est pas un travail colossal, yo va le faire pour déraciner yo en les Sahara. Personne moun aussi simple moun pas arriver à atteindre yo. Ou met atteindre 10 ou 20 soldats côté yo rien en bas, on garantit il y a bien plus toujours. Donc c'est comme ça va là et voilà là il est vraiment compliqué et c'est avec une complication horrible. Donc base 5 secondes rivé perdu quantité nexayo
Et dans le moment même où je vous parle, il y a le grave mouvement qu'a fait pour voir comment il a continué avec la bataille ça, pour bataille la bataille campée dans route. Monsieur Izo, donc chef Izo, donc monsieur dans le moment ça, il est vraiment de la police nationale d'Haïti, pas suspendre faire causer et n'a yo fait bagaille avec un pile intérêt, n'a yo gagné de grande capacité et m'saluer courageux capacité et Dieu pendant dernier temps ça qui pas chômé qui est quoi que meilleur bagaille que vous avez faire, c'est bataille, c'est goumen pour montrer que ka grand changement qui opéré, pour montrer que la réussite c'est bon bagaille qui aussi simple, faut que puise, faut que fait des efforts, de grands efforts pour capable arriver atteindre objectif. Maintenant, est-ce que si zone Matissan t'a déblayé, est-ce que c'est pas fait? Me réveille en l'heure pour gagner un cri de joie absolue dans tête chaque grenaïtien qui va reprendre blocus en Cocafour, qui va régler difficulté en Cocafour, donc qui va commencer à gagner de grands problèmes dans zone ça au lieu de problèmes des contraintes dans zone ça pour et ça faire des mouvements de arrangement qu'on fait. Donc c'est comme ça va galayer. Et avec un peu de complications, donc en pile mon aptan que zones a ouvert, en pile mon aptan il y a des bagailles qui pour avancer. Donc m'a pas avancé, nous même n'a continué bah écoute mais pardon, on a niveau nous capable, sans que nous bah essayer frasser ou déranger n'importe monde, mais pour nous capable permettre que pays ça aille grandir puisque des gars des efforts déjà été faits, des gars des monde qui t'es essayé faire de graves mouvements déjà empêcher que bagaille pas continuer dans ce sens. Donc un pile gros détail, un pile gros information pour commencer à tomber. Donc c'est sûr que n'a fait des analyses et jusqu'à présent guerre pas campé, la police pas suspendre by tout nèg en pile bâton, même gens iso, même gens un paquet nèg a pour renfort by ti bandi pareil yo, la police tout commencer sous picole pour connait qui ça doit faire. Tout fidèle branché yo. Merci. Comment ça fait dire que on a expérience en tant que ingénieur informatique. Là, on parle de problèmes systématiques, moi, je connais ça, ça veut dire. Mm-hmm. Parce que moi, il y a plus de 5 ans depuis que je travaille dans le système. Le problème, c'est dans le système allié. Si on va chercher une base de données, c'est quoi on va faire parce que on met changer la base de données, le système n'a pas changé encore. Correct. Qui ça veut dire par là? C'est une façon de dire que je vais regarder des sacrifices. Et des jeunes gars sont en cours, qui ont madame, qui ont une famille à faire. Les gens déjà dérangé parce que c'est comme si mon ouais n'a pas lavé mes suyades. Pourquoi ça me dit ça? Sauf en statistique, on va propager que plus de 90% chefs gang que je viens d'un pays, ils ont des recours de la justice. Ça veut dire que c'est des gens qui sont en prison déjà, qui ont juge d'une façon ou d'une autre qui est libéré. Correct. Ça veut dire que c'est pas des gens qui nous vaut. Sous son retour en Haïti, c'est des gens qui entrent plusieurs fois dans la prison déjà, que les juges eux-mêmes. On peut citer vite l'homme, on peut citer Chris là, par exemple. Chris là. On met 30 ans pour citer, on met tout, presque toutes lettres. Mm-hmm. C'est ça que je me dis plus de 90%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On peut demander qu'on y a pour que qu'on réforme judiciaire qui fait. Mais qui est-ce qui pourrait faire réforme judiciaire ça? Leur comprendre que les juges sont placés dans le système par l'exécutif et par le législatif. Qui est-ce qu'on gagne dans l'exécutif là? Moun qui gagne un dossier sous deux. Des droits dealers. Et qui est-ce que nous gagne dans le législatif là? Ils ont assemblé côté que ou kako des soudouettes, grenèques qui prennent dans le droit. Ça veut dire que Soudi, ou retirer Pépé, ou retirer Zokiki, là très difficile pour chercher un lot pour retirer encore, oui. Parce que ou bon pouvoir, ou bien pouvoir. Troisième pouvoir là qui c'est législatif, alors qui c'est judiciaire là, lui c'est résultant de pouvoir exécutif avec pouvoir législatif là. Or, nous avons pouvoir exécutif avec un pouvoir législatif ganglé, si nous voulons prendre langage et le canal là, et qui s'est passé, les parbaillons exécutif ganglé plus législatif ganglé, les parbaillons l'autre bagaille que judiciaire ganglé. Correct. Kilo. Et puis société a tout vu ganglé. Mais bien sûr que oui, société a vu ganglé. Kilo, qui s'est passé? Juste ça lui-même, c'est pas les policiers qui dans la rue, cap qui bébé. Ville pas en danger, vie madame n'est pas en danger, vie ici n'est pas en danger. Et bien qui s'est passé? Vous pouvez arriver dans mon cas, deux groupes qui a pris dans la police là. Des hommes qui sont des vrais soldats, des fils de Dessalines, qui décident de tête jusqu'au bout pour gommer contre la gangsterisation du pays, avec des nègres qui disent, bon, you know what? Un pape fait corvée,
pas me dégager pour me faire quoi. Parce que des policiers tombent dans la gang. Ils tombent dans la gang parce que leur gars dit que justice ganglée, exécutif ganglée, assemblée nationale ganglée, ils ont dit, you know what, moi-même, pas me faire la.